Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ha ha! Et bienvenue, bienvenue dans Besoin de violence. Continuons l'histoire principale de la violence. Alors que nous avons fait deux sauvegardes dans le menu de pause, comme un débile. La piste d'Ashley Graham a mené Léon dans la gueule du loup. Il poursuit sa mission, mais un seul faux pas pourrait entraîner sa perte. D'accord, après c'est des conseils. Agneau sacrificiel, tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ça commence maintenant. Oh, les souvenirs de l'époque! Où j'étais stripteaseur, avec mon costume de policier. C'est quoi ce bordel? Hé, hey, arrête ça! Hé, hey, Yankee, t'as un nom? Léon. Pas bavard, hein? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi, on a mal choisi où passer nos vacances. Mais arrête, ok? Tu bouges, je bouge. J'ai déjà assez morflé pour ça. Ok, je vois ce que tu comptes faire. T'es habitué à ce genre de situation, hein? Je parie que t'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi deviner. Peut-être. Tu cherches une señorita? Une jeune fille. Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmenaient? Où ça? Qui sait? Mais après, j'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Merde. Eh, n'arrive pas. C'est pas une vie. Ah, esquive! Ah! Le QTE! Oh! Et ouais! Si t'avais passé plus de temps dans un donjon BDSM! Tu connaîtrais les bails! Hé! Hey, où est-ce que tu vas? La clé! Plus, amigo. Merde, mon équipement. Comment ça, mon équipement? Je suis à poil. Ah! Ah! Pas de parade parfaite, pas de patate, pas de... Hunnigan? Allô? Condor 1 à Perchoir, j'ai localisé Eglon. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien. On progresse? L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet? Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. Mon père, j'ai péché. Je suis retombé dans le BDSM. J'aime étrangler mes partenaires. Terrible. Du coup, I'm in danger. Bon, après, on va faire avec, mais... Oh, Santa Maria de Madre de Dios, merci. Attaquer avec un couteau, des grands coups de couteau, espace et poignarder lentement un ennemi. Rapidement, D'accord, je savais pas. Je savais pas qu'il y ait deux attaques différentes au couteau, je faisais que des mouvements larges, moi. Non mais où elle est, Escondu? Élimination furtive! Bah, les éliminations furtives nécessitent trop d'endurance de couteau! Monsieur! Ahí estoy! Oh! Oh! Oh!
Hey, oui, ouais. C'est à moi, ça. Mais c'est mon matos. Excellent. Trouvons le moyen d'y accéder. Bonjour, bonjour. Bonjour. Paré. Je vais faire une parade. Vous en faites pas, je maîtrise. Je maîtrise cet élément de gameplay. Tu veux tenter un lancer? Tu veux tenter des mouvements? Tu veux jouer? Tu veux jouer? Ouah! Tu veux jouer? Ouh! Tu veux jouer? Tu veux jouer? Ouh! Olé! Oh là! Ah, l'endurance de mon couteau qui diminue à vue de... à peau de chagrin. C'est brave. Un autre couteau de cuisine, que de la chance. J'entends... sa gueule, sa chouine. Allô, allô? Ah! Estoy aquí, no! Tui, tui! Baila, 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 baila! Baila! Oh. Baila conmigo! disais-je, danse, 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 danse avec moi. Je vous fais les traductions. Mais c'est vrai qu'ils ont rangé mon matos dans la vieille sac en toile et ils ont laissé ma mallette, fort aimable. Ah, bien sûr. Oh, regardez ce qu'il y a devant la porte. Oh, ils sont malins. Ils sont joueurs. Ils sont plaisir, ils sont coquins. Voilà. Hop là. Yay. Panapapapam. Je récupère tout ça. Alors, wow, oh, oh, j'ai mal à mon inventaire. Je souffre de mon inventaire. Je souffre. Comment vais-je pouvoir le jouer? Oui, j'ai cette arme maintenant. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais on verra bien. Il va peut-être falloir que je mélange des herbes vertes, hein. Qu'en pensons-nous? On en pense que c'est malin. Ah non. Mon rangement. Oh, oh. Ok. Ah, encore une clé comme ça, je n'ai pas toujours pas cette clé. C'est vexant. Bon, Par ici, étranger. Over here, stranger. C'est qui? Donnez-moi du welcome. On va pouvoir faire des affaires, toi et moi. Ah, je peux pas lui tirer dessus! Oh. Débarrassez-vous des rats qui ont élu domicile dans l'usine. Il faut tuer 3 rats dans l'usine désaffectée? C'est ça l'usine désaffectée? Il y a 3 rats là-dedans? Attendez. Des balles de fusil. Excellente nouvelle. Un papier. Savais-tu que tu pouvais changer les spinels que tu reçois en récompense contre des objets de valeur qui ne peuvent être achetés autrement? Ces cartes indiquent l'emplacement des trésors. Bienvenue. Le marchand. Oui, je sais, je sais. Un travail bien fait mérite une récompense à la hauteur. Des spinels. J'ai mis la main sur quelques raretés étrangers. Attends, refais-moi un bienvenue digne de ce nom, mon salaud. Reviens quand tu veux, surtout. Bienvenue. Qu'il est bien équipé. Ce pistolet, ce couteau notamment, qui m'intéresse, monsieur, hein, si je puis me permettre. Voyons voir. Un lance-carreau. Bois, c'est une arme de chinoise, ça. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Oh, j'ai pas l'argent. Un peu de place ne peut pas faire de mal. Cette taille devrait te convenir, étranger. Reviens quand tu seras en mesure de payer, l'ami. Faire un off. Réparer un couteau qui c'est 4000 balles. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance.
4000 balles, c'est cher. Après, j'ai encore plein de couteaux de cuisine. Je peux augmenter la puissance. 1,30, c'est pas dégueulasse comme amélioration. Capacité, on s'en fout. Rechargement, on s'en fout. Cadence de tir, c'est intéressant, mais voilà. 6,62, c'est pas tant top que ça. Ça, c'est juste de l'argent en plus. Je pense que j'utiliserai un trainer à un moment pour me donner du fric. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. J'ai pas envie de m'embarrasser avec ça. Carte du trésor village contre une spinelle, mais j'ai déjà ça. Une herbe jaune. Et certaines choses que l'argent n'achète pas. Un punisher pour 5 fines spinelles. Un diamant jaune et un pointeur laser. Ça me fait pointer ça. On aime. Fais bonne route. On aime. Bon, et eh ben écoute. Petit. Petit rat. Cui. Piu. Ouh! Petit. J'entends. Ah, je vois là. Ouh, deux rats. Frappe le mot. Ah, je l'ai raté. Trois rats. Let's go. Yes. Ah, à ce que je vois, tu t'es chargé d'une roquette. Beau travail. Bon travail. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, du coup, pour 6 pépétasses, on peut avoir un punisher, puisqu'on est qu'à un faible recul et un excellent pouvoir perforant. Mon dos me fait souffrir. C'est le poids des années qui se fait sentir, je suppose. C'est le poids de tout cet argent, mon gars. Note à soi-même, brave Jean, je l'annonce, hein. Dans ce playthrough, à un moment, je ferai péter un trainer, je ferai rentrer l'argent, je ferai rentrer les spinels et je testerai toutes les options que ce jeu a à m'offrir. Un choix judicieux. Les munitions de cette arme transperceront à peu près n'importe quoi. Excellent. En quoi puis-je t'être utile? Reviens quand Puis-je combiner mes trésors? Objet clé, trésor. Pichet richement décoré, on peut y insérer deux pierres précieuses, donc un rubis et un saphir, j'imagine. Mais là aussi, on pourrait y mettre des rubis et des saphirs. Ça aurait plus de valeur, hein. Mais c'est plus intéressant qu'il faut y mettre deux rubis différents, genre tac-tac, rubis, et après émeraude. D'accord, j'imagine que ça, ouais, que ça augmente les pesetas de manière individuelle selon la valeur des rubis. Très bien. Boop, voilà. Bonus de deux couleurs, 1 fois 1,5. Ah ah! Good. Et enfin, certir. Boop. Très bien. Et un collier de perles. Il est très joli. Ainsi que double velours. Avec ça, je pourrais acheter du fusil. Tu veux surtout. Mais même, quand bien même je pourrais acheter le fusil, je tomberais sur le même problème. Un problème d'espace, par exemple. Merde. Examiner. Puissance 0,90. Un peu moins puissant que mon pistolet. 12 balles, rechargement 1,10, cadence de tir 1,05. 1,10, 1,10. Ah putain, il est juste un peu plus précis. Il est juste moins bien, malheureusement. Vous voyez, je regrette d'avoir claqué mes spinels pour ça. Hein. Ouais, mais tu passes à travers deux ou trois cibles. Eh, c'est vrai que ça peut être intéressant. Hein. C'est vrai que ça peut être intéressant. On va. Tu as les bonus à droite. Tu vois ? Je peux voir par rapport au Sentinel 9 aussi. Poids perforant, compatible avec le viseur laser. Déposer. Vers le Sentinel 9, El Famoso. Je gâche des balles, hein, mais j'en ai rien à foutre.
Pas mal. Bon rythme de tir. Rechargement rapide. Capacité 19. Puissance 1.10. Ce pistolet est officiellement meilleur. Précision 4. Jesus Christ. Ah non, précision 4.5. Ok, j'ai rien dit. Il est bien, mais c'est de la merde. Enfin, c'est bien, mais c'est pas. C'est une arme DLC. Pour l'instant, on s'en passera. On va jouer avec le Punisher un peu. Ça fait plaisir. Ça, je le testerai aussi, hein, parce qu'il m'excite. On a de quoi normalement stocker. Voilà, on a de quoi stocker des balles de fusil. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Alors, voyons voir. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Je suis d'accord. Je pourrais aussi vendre mes armes, mais ça me paraît compliqué. Par contre, ce que je pourrais vendre, c'est mes mélanges d'herbes vertes, hein. C'est quand même 2000 balles, hein. Ou mes sprays de premier secours aussi, hein. Ça fait de la place, deux, j'en ai pas besoin d'autant. Je vais faire ça. Et enfin, le collier de perles et les bleus velours. Je pense pas que je puisse les sortir où que ce soit de toute façon. Allez! Voyons voir. Pas de place! Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Où est-ce que tu comptes mettre ça? Dans ta poche? C'est compatible! Beaux rêves à tes ennemis de loin en leur collant une balle en pleine tête. Ah Tiens, prends ça avec. Offert par la maison. Oh boy. Quoi, on me dit qu'il y avait le fusil dans l'hôtel. Bon, c'est pas grave. Offre limitée. Ma marchandise est en parfait état. Oh, il m'offre la lunette. Je te le promets. Toi, t'es un homme de goût. Fort aimable. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Formule de carreaux, pour fabriquer des carreaux, bof. Pourquoi ne pas essayer une fée bonne route? Voyons voir ce bijou. Oh oui. Écoute ce bruit. Même Léon, ça lui plaît. Putain, ça va me plaire, ça. Oh, ça va me plaire. Bah, je peux pas le combiner. D'accord. Faut pas zoomer. Ah, halt. Ooh, that's some good shit, stranger. That's some loot shit, stranger. Thank you. Mettre en raccourci 3, voilà. Ok. Après, on dit j'ai raté un truc dans le signe désaffecté. Fais voir. Ah bah oui, mais il y a le coffre qui est fermé, donc je ne peux malheureusement pas l'ouvrir. Très bien. La lunette gâche toute l'esthétique, tu trouves? Tu trouves? Ah, oh, je trouve ça fait fusil de chasse olympique. J'avoue, c'est pas sexe. C'est pas sexe, mais... Oui. Et après, est-ce que la lunette est réellement utile, tu vois? Est-ce que c'est pas quelque chose que tu as envie de faire sans lunette, hein? Laissez-moi juste... Excusez-moi, je suis désolé, brave Jean. Oh, mais oui, mais... juste comme ça. En plus, il est précis de ouf. Tu peux viser accroupi? Non. Oh oui. Salut, étranger. Ah, merci. Ce vendeur qui est mille fois trop sexe. Il y a un objet sur la route un peu plus haut. Ah, d'accord. Non, je n'ai pas le droit. Où est-ce que je suis? Donde estás? Agora
¡Dejadlo! ¡Estoy aquí, imbécil! ¡Te vamos a romper! Oh boy. Who's having sex tonight? Pardon, excusez-moi. Je remets la lunette. Mille fois trop. Sex! Oh, putain, décapité! Je te vois, Jean Pedro de la Vega. Oh, mamie. Putain. Si. Donde estoy, coño. Ok. Parce que je suis pas détendu, pas descendu, pardon. Ils me voient, mais ils ne me voient pas. Quel bijou! Allons-y. Ok, je suis prêt à faire preuve de violence. J'entends que ça se vexe, mais ça vient pas beaucoup me chercher, hein. Oups. Ça s'est abattu. Salutation, cabron. Je suis là. Venez me chercher. Ouh, petite grenade flash, ça fait plaisir. Des pépétas. C'est que c'est hostile. Viens sur le pont pour que je puisse bien aller nulle part. C'est ça, approche. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai rattrapé l'arme. Approche.
Ouh. Ouh. Ah. C'était une quantité agréable de violence. Alors, ce que j'ai utilisé, brave Jean, c'est la technique du funnel. C'est fermé. Le goulet d'étranglement, plutôt que d'aller dans un endroit et de courir partout comme un poulet décapité en mode « Ils sont où les ennemis? Je les vois pas !» Voilà. Je les ai laissés venir et je les ai abattus comme des clébards. J'en ai entendu un là. « Ouh, il est là! Il est beau, il est beau! Il est beau, il est beau! Tu veux tenter une dinguerie ?»« Oh, oh. Ouh, debout! Debout là! Debout! J'ai pas entendu la cloche! Oh, la cloche! La cloche! Oh, la cloche! Ding ding ding! La cloche! Je m'amuse beaucoup trop. Hein. Je dois faire attention en vrai. Extra violence. Oh, une vraie grenade. Oh, une vraie boîte. Oh, une vraie clé. Putain, ça a pas l'air solide quand même. Des vraies balles. Heureusement que les objets ne sont pas comme dans le 4 et ne disparaissent pas juste comme ça. Ça dit qu'il y a un objet juste au-dessus de moi. Ouh, ouais, putain. Hein, pour l'avoir, celui-là. Ouais. Pam 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 pam, je m'en vais looter. Pam 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 pam, je fais partie des connards qui visent absolument tous les mobs au début de Resident Evil 5. Ouh, il dit qu'il allait me péter les. Il a chu. Surprise! Oh, la violence! Oh, il a droppé de l'herbe! La brutalité de mes propos! Intéressant ça. Dans le cinquième main. Oh! Bonjour! Ah, je l'ai raté! T'en fais pas, je vais pas te louper. Ouh! Je l'ai pas loupé! Je l'ai pas loupé, bébé! T'as plus de tête, à un moment il faut en finir. Merde! Enfin. Alors, voyons voir. Donc ici on était d'accord qu'il y avait rien. Bon, attends. Ils disent encore que je peux pas m'enfuir. Ils ont pas compris. Ils ont pas compris que c'était eux qui étaient enfermés avec moi. Bonjour. Je l'ai entendu. Y'a rien par ici? Pas d'objet, pas d'item, pas de mystère, pas de. Non, là c'est juste là. Ça s'appelle. La fin de l'endroit, mais il faut que j'active les deux manivelles pour que ça passe. Oh, shit! Non, délai, Legolas! Arrêtez Gargamel, Legolas! Il fallait arrêter Gargamel à tout prix. Ça ne mène strictement à rien. Ça non plus, ça non plus. Excusez-moi, j'explore. Quand je vais monter en haut, normalement ça devrait déclencher des velléités. Normalement.
là, au niveau de la cloche, c'était là où il y avait le symbole, je crois. Non. Voilà. Oh oui, pourquoi? Mais vous avez vu la caméra? Pourquoi la caméra? Eh, vous avez vu l'autocorrect? What the fuck? C'est quoi cet autocorrect de PlayStation 5 de naze? Même pas une respecte! Alors là, ce qu'on vient de voir était l'équivalent d'un pro player de CSGO qui utilise un auto-aimbot en tournoi. C'était immonde. Je vais directement dans les options, je vire ça. Excusez-moi, je sais pas où ça y est. Accessibilité, je suis sûr. La cinétose, c'est pas ça. Visuelle, auditive, commande. Aide à la visée, putain. Excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Je jure que je l'avais pas vu. Oh là 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 là, tellement dégueulasse. Arrive à Eton ! Oh, il y avait un baril. Hans. Double boum. Oh, il revient lui, hein. Ah, pourtant je m'étais accroupi. J'ai brisé mon dernier couteau. Ça, par contre, je vais le regretter. Ah, y est-il ? Allez, quelque chose d'intéressant. Un rubis. Intéressant. Il y a l'air d'avoir personne qui vient me chercher. J'ai entendu des gens qui me jettent des trucs. Oh, il m'a réussi ! Je ne sais pas où il est, ça me... je crains. Mais c'est pas grave. Ça passe mille fois. Ah, là voilà. Donc il y a encore une meuf qui m'envoie des grenades quand j'avance là. Où est-elle? Ah, te voilà, choupette. Arriba. Hé, il est vexé. Oups. Oh, ça tue, ça. J'en entends encore un. Oh, toi, tu vas le payer pour tous les autres! Ah, je l'ai raté! Besoin de violence. Voilà un problème. Je manque de munitions, notamment. I'm in danger! J'ai plus de couteau. Madame, un couteau de cuisine sur une femme espagnole. C'est raciste. Allons-y. J'ai bien nettoyé tout l'endroit. Il me semble, hein. J'ai bien rincé tout ce que je pouvais, hein, en vrai. Ah, il reste encore un ou deux barils.
Des balles, Dieu merci. C'est pas qu'il m'en faut pour ces headshots absolument délicieux, mais... C'est pas raciste, Bob, c'est culturel. D'accord, d'accord. Par contre, attends, j'ai pas récupéré ce fameux objet machin truc, si. Mais je peux pas revenir en arrière, faut que je continue, c'est ça. C'est les feuilles, c'est pas de la dynamite, ok. Ah, et ça m'a fait revenir au niveau du marchand, c'est ça? Excellent! N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Il a raison. Bienvenue. Welcome. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Je pense que je vais payer pour la réparation du couteau. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Ça me vexe. Ça me vexe. Être méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. 1,2 pour 5000 balles. Ouais, mais ça l'augmenterait définitivement. Il faut que j'investisse tôt, hein. Plus j'investis tôt, et plus il durera, et plus les réparations que je ferai coûteront moins cher. Les armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Et voilà, comme tu l'as demandé. 15 000 balles. Mais 15 000 balles, il durera 50% plus loin. Est-ce que je peux te... Reviens quand tu veux, surtout. Je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. J'ai maintenant... la petite clé pour ça. Et voilà. Oh. Elle ne peut servir qu'une fois. Ah. Bon, bah tant pis. Hey, un masque élégant. Fantastique. Ce sera un retour sur investissement. De la qualité. Qui, à mon avis, sera juste. Petite sauvegarde rapide. Préfile coffre. J'avais pas une autre manette. J'ai pas acheté une mallette plus grande. Ou c'est moi qui ai fumé du mauvais shit. Ou elle est déjà appliquée. Elle est déjà appliquée, hein. Elle est déjà appliquée. J'ose espérer qu'elle est appliquée. C'est un peu le bordel dans mes affaires. C'est vrai qu'il faudrait que je transforme toutes ces munitions en balles, mais j'ose pas. J'ose pas, brave Jean. C'est une erreur de pas oser, hein. Il faut oser, en fait, dans ce jeu. Il faut toujours oser. Il faut toujours oser. Donc on va oser. On va oser, on va oser, on va oser, on va oser. Rien que de la qualité. On va oser, on va oser. Est-ce que je peux... Shift déplacer, confirmer, fermer, tri automatique. Dans l'espèce de vidéo, vous savez, dans la vidéo que j'avais vue, on pouvait bouger la mallette. Genre, tu sais, changer les angles. J'arrive pas à le faire. Tant pis. Pense à vendre les clés qui ne sont plus utiles. Quoi ça? Ah, ça vaut 1000 balles. Lol. Je les garde, c'est lol. Faisons des balles. 10 balles de pistolet, 5 drepoux et une ferraille. Cartouche fusil à pompe. 6 cartouches de fusil à pompe, c'est très sincère. Hein. 12 poudres et 5. Déjà. Voilà, déjà rien que ça. Ça me fait de la place. J'ai encore récupéré un spray, je sais pas où je l'ai récupéré. Non, j'ai pas de mallette en or dans la machine à écrire. Mais sinon, c'est pas grave. Ok, très bien. Emblème hexagonal. Non, mais vous êtes sérieux? Non, mais très, très sincèrement. Ça, c'est le bruit d'un scénariste Capcom. Il est mort, hein, il se noie. Hein. Ok, très bien. Oh, c'est les portes de Hunter x Hunter. Hein. Bienvenue dans le domaine de la famille Zoldyck. Alors... Oui, il m'a pas vu. Te voy a me matar. Mi cuerpo. Merde.
quand même. Je pensais que je pouvais l'esquiver en me baissant, mais apparemment non. Oups, la situation a dégénéré à une vitesse, vous avez vu. C'est fou quand même. C'est fou. Non. Voilà. Ça c'est oui. Ça c'est oui. Ça c'est oui. Dégage. Quand même. Quand même, la situation dégénère vite. Ok. Lequel des deux est le plus puissant entre fusil à pompe et ce machin? 5,4. 5,6. Bob, on sait à quoi tu penses, Bob. Ce fusil contient plus de balles. En cas de situation dangereuse, il te servira plus, Bob. Mais le deuxième est tellement plus sexe. Je fais des dingueries. Regardez toute cette place. Arme à feu rime avec jeu, étranger. Toute cette place qui soudainement se libère. C'est fou, hein. Oh. Ouf. Oui, oui, oui. Je sais que c'est un fusil DLC de riche, mais... Des balles. Ça valait bien la peine d'en faire. Au moins, ça n'épuise pas le couteau quand je fais ça. Je peux passer par là. Des balles de fusil, en voilà une utilité folle. Faut faire attention, vous voyez, il avance son pied quand tu fais une attaque comme ça. Et c'est le meilleur moyen de te bouffer le piège quand même, en fait. De la ferraille, cool. C'est des balles gratuites, ça, c'est des balles gratuites. Des pépétas, maxima pépétas. Un saphir, c'est le diamant qui a le moins de valeur. Pépétasse, hein, la moitié d'un ennemi, hein, ça vaut. Tire-toi. Oh les patates. Oh non. Oh non, le robot Salazar, ils en ont fait une figurine. Je suis sûr il est pas dans le jeu du coup. Oh, et puis ils ont enlevé le rocher qui roule. Oh non, le robot. Ah, oh, putain. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, je comprends, je comprends. Non mais on est dans le futur maintenant, on est woke. C'est à chier. Putain. Je suis sûr, il n'y a pas le DLC bikini pour Ashley. Hein. Elle est majeure! Bande de monstres! Elle est majeure! J'ai le droit de la voir en bikini, j'ai le droit! Excusez-moi. Pardon, c'était un moment de résistance. C'était un sursaut d'orgueil. Je m'excuse. Leur influence n'est plus ce qu'elles étaient. Détruisez les poupées mécaniques ne pardonnez rien à ces aristocrates. Très bien. Déjà, on met des barres transversales de sécurité sur les Formule 1. Ouais. Ça protège les pilotes. Leur métier est dangereux, comprenez, ils pourraient mourir. C'est moche. Ah ! Un petit cadeau.
Oups, ça par contre je vais le payer. Je vais le payer très cher. Tu sens quelque chose au moins? Allez, allez. C'est quoi ça? Mission de fusil ou de mitraillette? Ah! Ah, d'accord, c'est des gros morceaux de ferraille. Ah oui! C'est des morceaux de ferraille, mais argentés, si tu veux. Ça fait des balles de meilleure qualité, bien sûr. Merci Capcom. Merci Capcom. Pitié, Capcom, pitié. Pensez à vos scénaristes, putain. C'est des mecs qui ont une famille. Oh, c'est compact. Oh, c'est compact. Bon, c'est de la merde, mais voilà. Alors, oui, je sais, vous préférez la version en ligne. Mais compacter les armes en haut, ça se fait aussi. Ça se fait aussi, ça se fait aussi. Je montre différentes strates de speedrun de compactage d'ordures. Alors, nous disions ici, il n'y avait rien, on avait tout visité. C'est ça, et puis on s'était fait agresser par Dominique de la France Libre. Ça dit qu'il y avait un bignot là? Trésor d'extension. Plaît-il? Je note, compact, c'est pour le speedrun, absolument. J'ai raté un trésor, je m'excuse, hein, brave Jean. Sur ma gauche, littéralement. Ah, le voilà. Il fait un petit bruit, écoutez. Vous voyez? C'est à ça qu'on les reconnaît. Mais il faut les entendre en vrai, putain. Faut les entendre. Ah, je suis mid-life, j'avais même pas fait gaffe. Si seulement j'avais un œuf. Bob, t'as 8000 objets de soins! Si seulement j'avais un œuf. Mais combien de bidoches ils ont, sans déconner? Donc ça, c'est le connard qui est mort au sol, très bien. Grande victoire pour la Lénonie. Alors, on n'oublie pas de recharger ça. Muy bien, muy bien. Andale, andale. Andale, 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 andale. Allez, allez, allez. Andale. Merci. Quelqu'un s'est bouffé ce piège avant moi. Petite villa toscane. C'est la suite de ma quête, mais... C'est vexant. Moi, ça a la politesse de pas faire de dégâts. Sans.
pénètre par derrière. Ah, c'est cool, il vérifie dans la chambre. Ah, il le fait plus, d'accord. Ça, mais oh, c'est graphique. Bon appétit, bien sûr. J'arrive pas à voir le caca. Bon, c'est bon. Pas mal comme baraque. Les voisins doivent être jaloux. J'en parlais. Hop, petit repas. Des vieilles photos. Comme ils ont tous l'air ultra agressifs sur les photos. Voilà, gros boulot de caméra là. Les photos de famille des zombards. Olé. Oui. Enfin, chair de notre chair, sang de notre sang. Remercions le Seigneur. Sangre de nuestra sangre, gracias al Señor. Ok. Porfine. C'est quoi viande? Cazone? Ou casine? Ou carne? Non, carne, carne. Carne de nuestra carne, c'est ça. Impeccable. Ok, ok. Excuse, hein, je suis quelqu'un qui s'arrête sur ce genre de détails. J'essaie d'apprécier le travail qu'ont fait les développeurs en vrai. Oh, une grenade, merci. Aptement placée, oserais-je dire. Et là, un zombie dans l'armoire. 1000 pépétas, on adore. On pouvait monter à l'étage. Plante. Bœuf. Gars. Non, ce n'est pas ça. Rien dans l'âtre. Alors, moi, la porte est ouverte. Eh bien, montons à l'étage. Personne, fort heureusement. Une herbe rouge, quelle chance. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas un mec qui avait lâché une herbe rouge tout à l'heure en crevant. J'ai jamais récupéré, je pense. Hein. Tant pis. Tant pis, tant pis. En signe de vénération pour leur maître, les habitants offrirent leur bien le plus précieux. Le vieux fermier, sa meilleure récolte. Le porcher fluet, son plus gros cochon. La vieille femme démunie, son enfant bien-aimé. Le maître se réjouit devant les offrandes. Oh, stylé. Ouais, mais si j'y vais là, ça va déclencher la suite de l'histoire, si je me souviens bien. Donc allons ouvrir d'abord le coffre. Qui est au rez-de-chaussée. Pourquoi j'avais pas tort, hein? Blé, cochon, récolte, hein. Sauf que j'ai mis bœuf. Voyez. L'instinct du Lennon. Une boule de cristal, let's go. Luxi, c'est mon vœu est accompli. Et ben, tu sais quoi? On va voir si on peut... On va voir si on peut déclencher la cinématique. Plutôt que de combattre ce connard.
J'essaie d'aligner, mais j'y arrive pas. Peut-être de l'autre côté, alors. Peut-être plutôt comme ça, ouais. Plutôt comme ça, ouais. Voilà, parfait. Excellent. 10 octobre. Le ciel est étrange ces derniers temps. La blé se dessèche et les vaches maigrissent. 8 décembre. Il y a des signes de famine. Il est vrai que nous manquons de main-d'œuvre pour les travaux des champs, mais les ordres de Lord Sadler ne sauraient être remis en cause. 30 personnes sont mortes de faim. 5 vaches vont être abattues. 30, t'es... Les patriarches se rassemblent pour tirer au sort. 6 de plus ont été choisis pour Lord Sadler. 8 de plus aujourd'hui. 4 de plus aujourd'hui. 11 de plus aujourd'hui. 2 randonneuses égarées se sont aventurées dans le village. Nous les avons amenées à l'hôtel pour le rituel. Pas besoin d'effectuer un tirage au sort aujourd'hui. Ah ! Donc ça fait des sacrifices rituels. Ah. Et Lord Sadler. Clé de l'insigne. Hé hé. El patrón. Undertaker, je suis fan de votre travail. Ton sang a accepté le don. Mystère s'épaissit. Pour ceux qui ne connaissent pas le scénario de Resident Evil 4. Et du coup, au rez-de-chaussée, il existe encore un petit zombie dans la cuisine qui fait des patates et qui fait des chouquettes. On verra si le jeu est solide et s'il se trouve au rez-de-chaussée dans le prochain épisode, brave Jean. Gros bisous à tous et à la prochaine. Allez, zou. T'en fais voir. Oh là là. Par contre, le couteau, ah, ça fait peur quand le couteau il descend.